Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période du 15 au 28 février 2021. On va faire un petit point de situation pour le mois de février. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer par regarder un petit message de l'oracle de Gaïa, enfin du petit oracle de Gaïa. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Donc du 15 au 28 février 2021, quels sont les messages pour vous? Du 15 au 28 février pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ok. Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Ok. Ok. Donc ici, c'est une période qui peut vous inciter à vous ouvrir vraiment sur le plan émotionnel. Voilà. On vous invite vraiment à être dans cette ouverture. Et aimer sans condition, c'est vraiment... On apporte, on donne, voilà, c'est peut-être un temps que vous allez donner aux autres, vous allez être peut-être un peu plus tourné vers les autres, un peu plus dans cette notion de don de soi, hein, d'aider, donner, d'avoir envie de donner des coups de main, un peu peut-être à droite à gauche, d'exprimer aussi, de dire aux gens que vous les aimez, par exemple, voilà, sans rien attendre en retour. Il y a vraiment cette notion-là. Parce qu'en fait, on vous dit ici que cette ouverture que vous allez avoir, ou peut-être que vous allez ressentir pendant cette période, va vous permettre aussi justement d'apprendre à vous aimer vous-même. Ou en tout cas d'être beaucoup plus dans cet amour, vous allez peut-être en prendre conscience, voilà, de l'amour que vous pouvez vous apporter à vous-même. Et du coup, ça va pouvoir rejaillir à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on va voir ce qu'on vous dit avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors la carte est tombée. Vous avez tourné en rond. Alors, tourner en rond, ça peut être une situation qui n'évolue pas, une situation qui stagne, ou quelque chose qui a tendance à se répéter. Vous voyez? Comme un cercle. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va essayer d'en savoir plus. Avec la sagesse d'Avalon. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour cette période du 15 au 28 février, pardon. 15 au 28 février. D'accord. Il y a besoin ici, alors le signe, transformation, confiance en ses dons psychiques. Ici, pour cette période, il y a une possibilité pour vous de vraiment réussir à transformer une situation, à changer, c'est-à-dire à vraiment vous écouter, à vraiment vous aimer en fait, vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que pour certains ou certaines, peut-être que vous attendiez que quelqu'un vienne, que quelqu'un vous comble. Vous voyez, souvent on dit « Oh là là, qu'est-ce que je suis comblée d'avoir telle ou telle personne dans ma vie ?» Bon, en fait, le mot « comblée », c'est pas forcément une bonne chose, parce que « comblée », ça veut dire qu'on a un manque en soi et qu'on cherche à ce que quelqu'un d'extérieur vienne combler ce manque. Et lorsqu'on est dans ce schéma-là, eh bien, on a tendance à toujours manquer. On a l'impression de manquer parce qu'on vibre le manque, donc forcément, on manque, on manque, on manque. Pour certains, ça peut être l'idée de manquer d'affection, de manquer d'attention, de manquer d'amour, de manquer de... voilà. Or là, vous allez prendre conscience que... ben, il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui viennent justement vous combler ce manque, mais que ce manque-là, il faut en prendre conscience déjà, et se dire, ok, ben, je vais m'apporter moi ce que personne ne m'apporte, ce que j'attends des autres, je vais me l'apporter à moi-même. Et là, vous allez comprendre que finalement, vous allez pouvoir sortir d'un schéma répétitif. Et je crois qu'on est là-dessus, en fait. C'est même sûr. Vous allez vraiment réussir à sortir d'un schéma répétitif, c'est-à-dire d'une attente. Vous attendez quelque chose de l'extérieur qui n'arrive pas et qui vous fait souffrir, hein, certainement. Et du coup, vous allez pouvoir prendre conscience de ça et vous allez enfin...
c'est-à-dire vous écouter vous, en fait. Réussir à vous écouter vous et à vous apporter l'amour dont vous avez besoin. Et vous sentir totalement complet et complète, ce qui va vous permettre d'être dans l'ouverture aux autres et de pouvoir donner sans condition. Voilà. Donc ça, c'est très beau parce que lorsqu'on arrive à faire ça, eh bien du coup, on guérit vraiment des blessures profondes. On se rend compte qu'en fait, on a toujours attendu, on a toujours été blessé par le fait que les autres ne nous apportent pas ce qu'on veut parce que en fait, c'est à nous de comprendre qu'il faut qu'on se l'apporte à soi-même et à partir de là, on se sent beaucoup plus libre, on se sent plus léger et plus légère et on voilà, c'est ça part de là en fait. C'est une belle belle transformation. En tout cas pour ouais, ce qui vous attend c'est ça. Hein, c'est une belle transformation. Voilà, l'éveil, prise de conscience, nouveau départ, nouvelle vision. Vous prenez conscience de ça et vous pouvez du coup réussir à être dans l'ouverture. Et là, ça va vraiment changer au niveau vibratoire. Vous allez changer de vibration et vous allez pouvoir attirer justement les personnes qui sont vraiment dans la même vibration que vous. Et ça vous permet d'être dans un nouveau départ, tout simplement. Donc prise de conscience, transformation, tout ça, et vous allez voir que les choses vont s'ouvrir. Allez, on va voir au niveau de votre énergie d'action et activité, avec l'oracle mission de vie ici. Vous voulez Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Haute responsabilité. Ah. Alors, cette carte-là, bah, elle vous parle effectivement que vous avez des responsabilités certainement dans ce que vous mettez en place. Alors, soit au niveau professionnel, soit au niveau de ce que vous souhaitez faire concrètement durant cette période. Donc là, on parle quand même de, voilà, d'un sentiment d'avoir quand même de grandes responsabilités hein, pour ce mois-là, enfin pour cette période. Ouais, on parle de choix. Hein. Vous avez un choix à faire. Un positionnement, une décision, quelque chose ici qui vous invite. C'est un choix décisif en fait. C'est pour ça que vous sentez. Pour certains, vous avez vraiment l'impression que vous avez des hautes responsabilités sur le dos par rapport à ce choix-là. Parce que peut-être que ce choix implique aussi d'autres personnes. Hein. Donc du coup, ça vous met une certaine pression. On vous dit ici qu'il est question d'un choix, mais un choix du cœur. Ok ? Donc. Peut-être que pour faire ce choix, il va être, ça va être le moment justement de sonder qu'est-ce que vous voulez, vous, personnellement. Voyez, le roi d'épée, on tranche, on décide, on assume aussi ses décisions. Hein. Le roi d'épée, il assume ses décisions. Parce qu'il sait, il voit clair, il a réfléchi, il a une vision très, on va dire, analytique hein, de la situation. Ok. Il y a un choix important pour vous. Alors, avec la 8 de bâton, on parle de mouvement accéléré. C'est-à-dire que les choses vont très très vite. Il y a peut-être beaucoup de communication, il va peut-être y avoir beaucoup de choses qui vont bouger hein, par rapport à cette décision-là. Voilà. Et ce qui est très bien chez vous, c'est que vous avez deux rois. Vous avez le roi d'épée et qui vous apporte cette capacité, ce courage aussi hein, de savoir décider. De trancher, voilà, de dire ok, ce choix-là, il est comme ça parce que j'assume, voilà, tout simplement. Et puis en même temps, vous avez le roi de Pentacle qui, lui, il est dans la capacité, si vous voulez, à maîtriser un petit peu les choses, c'est-à-dire à savoir que sa décision, elle est sûre, elle est mûrement réfléchie, elle est sûre, elle est prospère aussi. Vous êtes capable de faire prospérer vos intérêts hein, dans cette... dans ce choix ou dans cette décision. Donc, ça risque de chambouler pas mal, ça risque de bouger, parce qu'on voit avec la 8 de bâton que, bah, à un moment donné, hein, les choses s'accélèrent. Ok, vous avez décidé, vous avez fait votre choix, mais peut-être que, bah, là, d'un coup, vous allez dire, oh là là, ça y est, hein, j'ai des grandes responsabilités maintenant, alors du coup, voilà, il faut que je m'organise. Enfin, vous voyez, il y a tout ça qui se bouscule un petit peu. Mais en tout cas, on voit ici que, alors, ça peut créer des conflits, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont peut-être pas forcément d'accord avec votre prise de position ou de décision parce que ça implique d'autres choses. Mais moi, j'ai le sentiment que vous faites ce choix parce que c'est important pour vous. C'est vraiment important pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il va être temps d'apprendre à s'aimer soi-même. Vous voyez, peut-être de réussir à...
à vous apporter ce que vous-même, ce que personne n'a su vous apporter jusqu'à présent, ou en tout cas de ce que vous vous attendez de l'extérieur. Donc peut-être que ça part de là, ce choix-là. C'est-à-dire que vous allez faire vos choix peut-être en fonction de vos désirs à vous, et pas forcément par rapport aux désirs des autres autour de vous. Parce que là, on voit que ça peut générer des conflits par rapport à certaines personnes. Ça peut pas plaire à tout le monde, hein. Peut-être un roi de denier aussi, un patron, vous voyez, quelqu'un d'un peu plus... quelqu'un ici qui serait peut-être pas d'accord. Mais c'est pas grave. À partir du moment où vous faites un choix, c'est que vous avez vraiment suivi votre instinct, votre cœur. Voilà. Parce qu'il y a une prise de conscience ici qu'il est temps de vous apporter à vous-même. Peut-être que vous attendiez justement une promotion de la part d'un patron, d'un chef, je sais pas moi, quelqu'un ici qui vous donne quelque chose, vous l'avez attendu, 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 on ne vous l'a jamais donné, eh bien vous décidez peut-être pour certains de hop, de rompre le contrat, de dire ben je vais me lancer en tant que, je sais pas moi, en tant qu'indépendant, ou changer de société, changer de boulot, ou on va m'apporter plus ailleurs, et eh ben voilà, hop, c'est décidé, voilà, c'est comme ça. Donc forcément ça peut peut-être pas plaire, mais c'est votre décision. Ok. On va voir au niveau relationnel et sentimental pour vous. Ah, ben alors. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Au niveau relationnel. On vous parle ici du poids de la famille. Bon, ça peut peut-être avoir un rapport avec cette prise de décision. C'est ce que je sentais aussi. Bon, alors les conflits, ça peut être aussi d'ordre familial. Peut-être une figure paternelle, d'autorité, peut-être quelque chose comme ça. Ou alors c'est vous, hein, l'homme, hein, peut-être, ou alors le conjoint, je sais pas. Bref, il y a l'idée ici du poids de la famille. C'est-à-dire que oui, vous avez envie de prendre des décisions importantes. C'est pour ça qu'il y a les hautes responsabilités. C'est que voilà, vous avez peut-être toujours rêvé de faire quelque chose, de prendre une décision importante pour vous. Sauf que là, ça peut impliquer effectivement le foyer, la famille, peut-être si vous avez des enfants. Donc là, forcément, la décision, elle est compliquée. Voilà. Mais on vous invite ici vraiment à vous écouter, vous. À être vraiment dans cette notion de vous apporter ce dont vous avez envie, ce qui vraiment vous parle en fait. Ne pas faire des choix en fonction des autres, mais les faire en fonction de vous. Voilà. Et là, je pense que c'est ça, hein, la vraie transformation de cette période, c'est par rapport à ce positionnement-là. Là, on vous parle ici d'un poids de la famille. Bon, on va voir. Peut-être des mésententes dans la famille ou quelque chose qui pèse ici, hein. Oui, hein? 7 de bâton, c'est comme si quelque part vous avez besoin d'affirmer vos choix, d'affirmer vos décisions, de votre position, de toujours vouloir justifier les choses. Il y a l'idée de tout le temps être un peu dans un rapport de force, de tout le temps vouloir exprimer, de dire, de justifier les choses en fait. Voilà, c'est ce que je ressens là. D'accord? Vous avez envie de... Ici, il y a un nouveau. Pour moi, il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Peut-être un nouvel emploi, un nouvel engagement, quelque chose. Vous sentez que c'est sûr. Vous sentez que c'est serein. Parce que le page de Pentacle, il se prépare avant de se lancer. Il ne part pas comme ça. C'est pas comme un page de bâton ou un page d'épée. Ouais, je dirais plutôt un page de bâton qui, lui, il n'a pas besoin de grand-chose. Il a juste besoin d'écouter son instinct et puis il y va. Le page de Pentacle, lui, il prépare son voyage. Il prépare son chemin. C'est-à-dire que. On voit, hein, il a une bourse remplie ici, il a une carte pour ne pas se perdre, il a suffisamment donc d'argent, et puis il a aussi son balai qui lui permet d'avancer plus vite, quoi. Donc là, il y a vraiment cette notion d'avoir tout prévu, d'avoir tout organisé, que les choses sont quand même sécurisées, suffisamment stables, suffisamment sûres pour pouvoir se lancer. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Moi, pour moi, vous avez un projet, hein, un projet qui vous tient à cœur et vous avez vraiment envie d'avancer. La 6 d'épée, c'est le fait aussi de... Alors, la 6 d'épée, pour moi, vous avez envie d'éviter le conflit quand même, hein. C'est ce que je ressens là. Vous avez envie d'éviter le conflit. Donc, vous allez essayer, si vous voulez, de... Avec le magicien, d'exposer, si vous voulez, votre projet de façon à ce que ça passe, hein, à ce que les personnes autour de vous puissent accepter vos choix, votre projet, vos positions dans une prise de décision importante. Pour moi, vous voulez vous lancer dans quelque chose. Hein, vous voulez, alors bon, bah, ça peut être, je sais pas, un nouveau hobby,
Un nouveau hobby qui pourrait demander de l'investissement, du temps, peut-être de l'argent aussi. Ça pourrait être le fait de changer d'emploi, de se lancer à votre compte, par exemple. Ça peut être aussi d'avoir envie de déménager. Pourquoi pas voilà, il y a un plan. Vous avez un plan. Et là, il va être question de défendre ce plan devant vos proches. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va être important de vous apporter les choses vous-même. Plutôt que d'attendre peut-être l'aval de l'extérieur, mais vraiment de vous apporter ça en vous. Et c'est ce que vous allez comprendre, je crois, durant cette période. Ouais. Neuf de Pentacle. Vous avez suffisamment travaillé, vous avez suffisamment fait des efforts pour pouvoir maintenant mettre en place un nouveau projet, un nouveau départ, le magicien, l'initiation, quoi. Hein, vous passez à la pratique, vous passez à l'action. Vous avez envie de ça, hein? Évidemment, ça ne plaît pas peut-être à tout le monde au niveau de votre entourage, mais il va falloir, voilà, montrer, peut-être défendre votre projet, défendre vos idées pour que ça puisse passer. Voilà. Bon, allez, on va voir ici ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens. Pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 28 février. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Ah, cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Ok, donc là on parle aussi de famille. Hein. Voyez, vous avez un projet innovant, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. De faire, mais on vous dit ici, bah oui, bah peut-être qu'il faut aussi tenir compte des avis de votre famille, mais il y a l'idée quand même d'essayer, hein, justement, de faire passer le message ici que c'est quelque chose de rassurant. Vous allez rassurer les autres, voilà, c'est ce que je ressens. Et si vous allez essayer de rassurer vos proches dans ce nouveau projet que vous souhaitez mettre en place, voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si c'est le cas. Et puis ben, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.